Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un peu d'arithmétique. L'arithmétique est la branche des mathématiques qui s'intéresse à la science des nombres et plus particulièrement dans ce chapitre, on va s'intéresser aux nombres entiers. On commence avec un exemple. Jean veut donner toutes ses 47 billes à ses quatre meilleurs amis. Pourra-t-il en donner le même nombre à chacun Il veut savoir si avec ses 47 billes, il peut constituer quatre paquets qui comportent un même nombre de billes et bien sûr ce nombre, il faut que ce soit un nombre entier. Parce qu'il n'est pas question d'aller découper des billes. Pour répondre à cette question, nous allons effectuer la division euclidienne de 47 par 4. J'ai un chiffre au diviseur, j'en prends donc un au dividende, sauf s'il est trop petit, 4 n'est pas trop petit. Dans 4, combien de fois 4 Il y va une fois, une fois 4, 4 et il reste 0. J'abaisse le 7. Dans 7, combien de fois 4 4 fois 1, 4 et 4 fois 2, 8. C'est trop grand, donc il y va une fois également. 4 fois 1 4, il reste 3. Donc avec mes 47 billes, je peux faire 4 paquets de 11 et il va rester 3 billes. Pour répondre à la question de Jean, il ne va pas pouvoir donner ses 47 billes à ses 4 meilleurs amis sans faire de jaloux s'il ne veut pas en garder pour lui. Il y a un reste dans la division de 47 par 4. Il peut donner 11 billes à chacun de ses amis, mais il devra en garder 3 pour lui. Comme le reste dans la division de 47 par 4 n'est pas égal à 0, on dit que 47 n'est pas divisible par 4. Si je décompose le nombre 47, 47 c'est 4 fois 10 plus 7, 4 dizaines et 7 unités. Je recherche à faire des paquets de 4. Voilà, un premier paquet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et je retrouve le résultat de ma division. J'ai un reste de 3 unités. Donc 47, c'est 11 paquets de 4 unités et il reste 3. Un deuxième exemple, Léa a 91 timbres qu'elle souhaite donner entièrement à 7 de ses amis. Pourra-t-elle donner autant de timbres à chacune d'elles On va effectuer la division euclidienne de 91 par 7. J'ai un chiffre au diviseur, j'en prends un au dividende sauf s'il est trop petit. 9 n'est pas trop petit. Dans 9, combien de fois 7 il y va Une fois. Une fois 7, ça fait 7, il reste 2. J'abaisse le 1. Dans 21, combien de fois 7 3 fois 7, 21. Il reste 0. J'ai un reste qui est nul, donc 91 est égal à 7 fois 13 plus 0, autrement dit, 91 est égal à 7 fois 13. Pour répondre au problème de Léa, elle pourra donner tous ses timbres, chaque ami en aura 13, il n'y aura pas de reste. On dit que 91 est divisible par 7. Retrouvons ce résultat sur un schéma. 91, c'est 9 dizaines et 1 unité. Si j'essaie de faire des paquets de 7 unités, je peux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je vois bien qu'il n'y a pas de reste, contrairement à l'exemple précédent. Donc 91, c'est bien 13 paquets de 7 unités. Au travers de cet exemple, revoyons le vocabulaire. 91 est égal au produit de 7 par 13. On dit dans ce cas que 91 est un multiple de 7, ou bien que 91 est divisible par 7, ou que 7 est un diviseur de 91, ou bien que 7 divise 91. Ces quatre phrases ont la même signification, elles signifient que 91 s'écrit comme le produit de 7 et d'un autre nombre entier. Plus généralement, si a et b sont deux nombres entiers quelconques, et s'il existe un autre nombre entier que je vais appeler n tel que a soit égal au produit de ce nombre par b, c'est-à-dire a est égal à n fois b, on dira que a est un multiple de b, ou que a est divisible par b, ou que b est un diviseur de a, ou que b divise a. Tout ce vocabulaire est très important, assure-toi de l'apprendre correctement. Maintenant, si je veux répondre à cette question, est-ce que 6 est un diviseur de 114 Tu l'as compris, je dois effectuer la division euclidienne de 114 par 6. Si le reste de cette division est égal à 0, je pourrais en conclure que 6 est un diviseur de 114, sinon je pourrais en conclure que 6 n'est pas un diviseur de 114. Effectuons cette division ensemble, j'ai un chiffre au diviseur, j'en prends un au dividende, sauf s'il si est trop petit. 1 est trop petit, j'en prends donc deux. Dans 11, combien de fois 6 6 fois 1 6, 6 fois 2 12, il y va donc une fois. Une fois 6, 6, il reste 5, j'abaisse le 4. Dans 54, combien de fois 6 6 fois 9, 54. Le reste de cette division euclidienne est donc égal à 0. 114 est égal au produit de 6 par un autre nombre, qui est ici 19. Je peux donc en conclure que 6 est un diviseur de 114. Maintenant, effectuer des divisions, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Est-ce que pour savoir si 3 256 897 est divisible par 2, je dois aussi effectuer la division euclidienne de 3 256 897 par 2 et regarder le reste Eh bien, heureusement non. Il y a des critères de divisibilité qui vont nous permettre de répondre plus simplement à cette question. Grâce à ces critères, je ne vais pas être obligé d'effectuer la division euclidienne pour savoir si un entier est divisible par 2. Pour cela, il suffit que je regarde son chiffre des unités. Un entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8, autrement dit si c'est un entier paire. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, 3 256 897 n'est pas divisible par 2 puisque son chiffre des unités est 7. Un deuxième critère, un entier est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Autrement dit, pour savoir si 3 256 897 est divisible par 3, je peux ajouter 3 plus 2 plus 5 plus 6 plus 8 plus 9 plus 7, ce qui me donne 40. Et maintenant, la question est de savoir si 40 est divisible par 3. Là, c'est beaucoup plus simple.

Pour savoir si un entier est divisible par 5, il suffit de regarder son chiffre des unités. Si ce chiffre est égal à 0 ou 5, le nombre est divisible par 5, sinon il ne l'est pas. Donc 3 256 897 qui a pour chiffre des unités 7 n'est pas divisible par 5. Pour savoir si un entier est divisible par 9, je vais calculer la somme de ces chiffres. Si cette somme est divisible par 9, le nombre l'est aussi.

Et enfin, pour savoir si un entier est divisible par 10, il suffit de regarder le chiffre des unités. Si ce chiffre des unités est égal à 0, le nombre est divisible par 10, sinon il ne l'est pas. Donc 3 256 897 n'est pas divisible par 10. Pour terminer trois exemples, appuie sur pause, répond à ces questions et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige 304 est-il divisible par 2 je regarde le chiffre des unités, c'est 4. D'après le critère, 304 est divisible par 2. 716 est-il un multiple de 3 Autrement dit, 716 est-il divisible par 3 Je vais faire la somme de ces chiffres. 7 plus 1, 8 plus 6, 14. Est-ce que 14 est divisible par 3 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15. 14 ne fait pas partie de la table de 3. 14 n'est donc pas divisible par 3. Donc, 716 n'est pas divisible par 3. La dernière question maintenant. 846 est-il un multiple de 9? Je vais faire la somme des chiffres de 846. 6 et 4, 10 et 8, 18. 18, c'est 2 fois 9. 18 est donc un multiple de 9. 846 est donc un multiple de 9 également. Autrement dit, 846 est divisible par 9. C'est maintenant la fin de cette vidéo. À bientôt!